Bienvenue dans votre émission. Oui, Ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Interpréter un mouvement religieux. La bête montante de la terre exerce le même contrôle autoritaire que la bête montante de la mer. Apocalypse 13, le verset 11. Cette dernière tirant son autorité du dragon, verset 2. Les deux bêtes et le dragon appartiennent à la même famille et partagent tous le même esprit, celui du dragon. Par contre, il y a une apparence de christianisme accrue avec chaque puissance successive. Le dragon est satanique à la fois en caractère et en apparence. Apocalypse 12, verset 9. De sorte qu'il est relativement simple de l'identifier comme étant séparé de Dieu. La bête montante de la mer a le même caractère, mais elle le déguise avec une apparence divine, s'insérant à la place de Dieu et redirigeant l'adoration vers elle-même. Apocalypse 13, verset 4 à 6. Enfin, la bête montante de la terre est décrite comme ayant les attributs christiques d'un agneau. Verset 11. Mais parle quand même comme un dragon. L'apparence chrétienne de cette dernière bête entraînera une tromperie plus difficile à identifier que toute autre dans l'histoire de ce monde. La bête montant de la terre qui a deux cornes semblables à celles d'un agneau et parle cependant comme un dragon conduit le monde entier à faire une image à la bête montant de la mer. Apocalypse 13, versets 13 et 14. Les symboles prophétiques utilisés ici montrent qu'il s'agit d'un mouvement très religieux. Le verset 13 parle d'un feu appelé du ciel, faisant référence à l'histoire d'Élie sur le mont Carmel, 1 Roi 18, verset 38. Sauf qu'il y a une différence cruciale et choquante. C'est le côté de l'ennemi qui voit le feu descendre en réponse à ses prières. Pendant cette période, on peut dire sans exagérer qu'il sera terriblement difficile de dire qui travaille pour Dieu et qui ne travaille pas pour lui. La Pentecôte est un autre exemple utile d'un feu venant du ciel en réponse à la prière. Acte 2, verset 3. À la Pentecôte, les flammes étaient une représentation visible du Saint-Esprit descendant sur les disciples. Cependant, le feu de l'Apocalypse représente une force effusion du Saint-Esprit où guérisseurs et évangélistes de réveil qui ne travaillent pas au nom de Dieu attirent des foules immenses. Le monde entier sera hypnotisé par des miracles et des événements surnaturels extraordinaires qui créeront une ferveur religieuse rappelant celle de la foule lors du procès de Jésus. Dès que de faux miracles seront accomplis et que la fausse effusion du Saint-Esprit se sera produite, la voie sera alors préparée pour que l'image de la bête soit formée. Malheureusement, les soi-disant chrétiens seront les premiers à contribuer à cette image. La progression de l'image sera la mieux indiquée par le changement de ton des messages prêchés depuis les principales chaires en Amérique. Dès que les principales églises protestantes des États-Unis s'uniront sur des points de doctrine qui leur sont communs et feront pression sur l'État pour l'amener à imposer leurs décrets et à soutenir leurs institutions, l'Amérique protestante sera formée à une image de la hiérarchie romaine et la conséquence inévitable en sera l'application de peines civiles aux délinquants. Texte tiré du livre La tragédie des siècles, au chapitre 25 à la page 389, livre écrit par Ellen G. White. Chaque fois que l'Église et l'État s'unissent, il y a toujours une compétition pour savoir si l'État contrôle l'Église ou si l'Église contrôle l'État. Il est possible que l'Église et l'État se bousculent pour dominer les événements menant à la marque de la bête. Mais les églises dirigeantes finiront par prendre le dessus. La tyrannie finale sera de nature religieuse et non séculière. Rémi Ménège, après avoir regardé votre texte écrit à noter, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de la leçon d'aujourd'hui? Quelles parties trouvez-vous difficiles? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Comment savoir si un réveil spirituel est vrai ou faux? Au revoir! Et à demain si Dieu veut! Remue-ménage.